Nous sommes en Jordanie. Ces hommes célèbrent la libération d'Ahmad Dakamsé. Cet ancien soldat a été condamné en 1997 pour avoir tué 7 jeunes Israéliennes en voyage scolaire dans son pays. Il s'agit sur ces images de l'homme portant des lunettes noires. La Cour de sûreté de l'État lui avait infligé une peine de prison à perpétuité, ce qui équivaut à 20 ans de détention en Jordanie. Il les a donc effectués. En mars 1997, ce père de 3 enfants avait tiré à l'arme automatique sur des écolières, en en tuant 7 et en en blessant 5 autres, ainsi qu'une enseignante. Il avait expliqué son geste par le fait que les jeunes filles se seraient moquées de lui pendant qu'il priait.